Coucou tout le monde. On espère que vous allez bien la team. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, pause de début quand même. Ouais. Pause de début sur le carton. Tu vois, je sais pas si ça. Ils ne voient pas le carton encore. Ouais, c'est ça. Non, regardez. Aujourd'hui, c'est unboxing les amis. On a reçu un super vélo de Sirusher. Voilà. On avait déjà testé le Trax, ouais. Je crois. Il était incroyable. Magnifique. Celui-là, il était incroyable. Et aujourd'hui, on teste le Komoda. Voilà, donc j'ai hâte de voir comment il est celui-là. Ah, moi aussi. Parce qu'il est, complètement différent de l'autre modèle. Et je crois que celui-là, c'est un des modèles les plus vendus en France. 48 volts, 14 ampères. Je pense que ça envoie du lourd. Ouais, et en plus, on a reçu les casques et tout. Je vais d'ailleurs aller les chercher. Ouais. Parce que pour plus de sécurité, il faut porter un casque. Donc, bon, encore emballé, hein, bien sûr. Chris, donc je vais. Ah bah tu t'y mets, tu t'y colles. Je vais faire le montage. Voilà, maintenant t'es un pro du montage vélo. C'est ça. Et celui-là, je crois qu'il est noir et blanc comme vélo. Je sais pas, il est marqué white. Ah bah donc blanc. Blanc. Donc ouais, blanc, je pense qu'il est blanc et noir. L'autre, il était orange, le Trax, il était magnifique. Ah ouais. Il était, mais c'était un vélo de fou malade. De toute façon, les Sirusher, c'est des vélos de compète. Franchement, ouais. Valeur sûre. Complètement. Bon, je te laisse ouvrir le carton, Chris, et on te reprend quand on a les pièces détachées. Vous voyez, le carton est ouvert. Ouais. Et avant que cette vidéo commence, n'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Que je vais noter juste là. Voilà. Et la couleur, elle a l'air magnifique. Je vois déjà les jantes. Ouais, bah moi je vois déjà les pneus, Chris. Hein. Ah, c'est excellent. Ils ont l'air balèzes. Ils sont énormes. Ils ont l'air balèzes de fou. Et la couleur, elle est trop belle. Et là, il y a toujours la. Oh punaise, c'est bon, hein. Il y a toujours la boîte à outils, donc ça c'est super bien parce que. Exactement, tout est dedans, tout est complet et comme ça vous pouvez monter votre vélo vraiment hyper facilement. Donc bon. Je sors et on vous reprend un coup que j'aurai tout mis. Voilà, à quand plat. Il sera tout beau. Voilà. Vous voyez, il est déballé, il n'y a plus qu'à le monter. Tu prends la pose de fou, Chris, ça fait trop bien. T'as vu un peu? Et le casque, attends, je voudrais faire un focus sur le casque. Parce que le casque, ah ouais, voilà, là on voit mieux. Il y a de la lumière derrière. Je peux faire plusieurs. Et devant. Ah, tu non, veux bien rallumer? Et franchement, mais ça c'est de la sécurité. Ouais, je vois. Ça c'est la sécurité absolue, les amis. Hein. Donc un casque lumineux. Rechargeable. Rechargeable. C'est top. C'est top. Donc, et la couleur, qu'est-ce que vous avez franchement, ouais, dans les commentaires, ouais, la couleur, elle est pas magnifique. Ouais, franchement, ça fait trop chic. Noir et blanc, franchement, il est trop noir bon. Et blanc, comme ça, ça fait chic. Attends, je fais le tour par derrière, parce que là, on voit le cadre comme ça. Ah non, mais il est très beau. Trop beau. Il fait très élégant. Le orange, le Trax, il faisait un peu plus sportif. Ouais. Bon, on va voir celui-là monter ce que ça donne, mais celui-là, il fait vraiment très élégant. Ouais, j'enlève le casque pour monter. Ouais, parce qu'il fait chaud en plus là. Il fait chaud, mais le casque il est super. La recharge, ouais, franchement c'est génial. Donc celui-là, il y a la batterie ici, là, comme vous pouvez le voir. Tu veux que je le sorte? Comme tu veux. Donc on y est. Vas-y. Il faut faire voir. C'est une facilité. Hop. Tac. Donc c'est pareil, hein, ça sert d'antivol parce que si vous enlevez la batterie, bah forcément, on peut pas vous le prendre. Donc voilà, ça, c'est hyper pratique. Soit vous la prenez chez vous et vous la branchez directement sur un secteur, soit voilà. Sinon vous la mettez directement. Il y a un petit... vous voyez? Vous pouvez la brancher directement ici, en fin de compte. Nickel. Quand on la remet, on peut la brancher directement ici, sans démonter la batterie. Ouais, l'un ou l'autre, c'est au choix. Bon allez, tu nous montres ça, Chris. Montre ça. Moi j'ai hâte de voir ce que ça va rendre. Hein. Moi j'ai hâte de le tester. Et il y a un porte-bagage en plus, on va pouvoir le tester à deux. Et j'ai oublié de vous dire, en fin de compte, regardez la boîte. Petit aparté. Tout ce qu'il faut pour monter. C'est génial. Vous avez la pompe à vélo. Ouais, ça c'est bien. Les clés. Et le chargeur batterie. Okay. Franchement, c'est top. Et ça, c'est pour accélérer sans pédaler. D'accord, ok. C'est pour les feignants. D'accord. Donc, c'est bien. C'est bien. Bon, cette fois, ça y est, on monte et on voit ce que ça donne. Bon. Allez. Bon, du coup, on se retrouve dans le jardin pour l'essai. Ça y est, il est fini, il est monté. Il est monté, tout beau. Il est magnifique. Et regardez qui nous a rejoint.
Elle nous a déjà piqué le vélo. Voilà, Mamou nous a déjà piqué le vélo. J'ai envie. Voilà, avec son joli casque pour la sécurité. Ouais, c'est vrai. Ah, je suis bien là. Hein? Ah bah, il faut le mettre, je le mets. Tout à fait. Bon, les amis, j'ai mis la vitesse 5, elle va partir comme une fusée. Non, 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 t'as pas fait ça. Si. Non. Allez, go. Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? J'ai rien fait. Fais gaffe, vas-y doucement. Oh là. Eh ben. Bah nickel. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il m'avait fait? J'ai rien fait, Catherine. Si, si. T'as fait des messes basses, je t'ai vu. Non, je parle à la communauté. Je vais te balancer. Hein? Je vais te balancer à Mamou si tu continues. Là là. Tu fais pas de misère à ma mère. Attention, pas poussez-vous, balance, hein. J'arrive. Attention, ouais, poussez-vous. Hein. Poussez-vous, ça c'est sûr. Il faut dire que le jardin, on essaye dans le jardin. Donc, ouais, dans le jardin. Non, c'est pas pratique. Non, hein. J'y suis arrivée quand même. Tout à fait, Mamou. C'est bien, bravo, bravo. Tout à fait. Tu veux y aller, Chris? Parce que toi, je sais que tu meurs d'envie d'y aller. Ouais, bah oui, j'ai envie d'y aller. Je vais me mettre sur le porte-bagages. Ah bah tiens, très bonne idée. Attendez, j'essaye avant. Mais j'ai le casque, comme ça. Bon, là, ça va, on est dans le jardin encore. J'essaye avant. Ouais, mais bon, le jardin, il est vachement bien, parce que le jardin, c'est pas facile. Non, le jardin, il est pourri en plus. Bah, il m'oublie. Il t'oublie, Mamou. Il m'a oublié. Mamou, il t'a laissé. Il t'a laissé, Chris. Mais j'y crois pas. Chris, mais... Regarde-le, il s'éclate tout seul et moi. Allez. Chris, t'as oublié Mamou, dis donc. Allez, je vous emmène. Attends, il m'oublie. Il est pas sympa. Il est farceur, le Chris. Mamou, tu te mets en cavalière? Ah bah oui, je suis en jupe, alors... Regarde, il fait exprès de s'en aller. Va pas nous faire tomber Mamou avant les vacances. Allez. Vas-y. J'ai jamais fait ça, moi. Vas-y. T'as jamais pris quelqu'un comme ça? Ah, avec le en cavalier, tu veux dire? Ouais, ouais, ça y est. Parce que le poids est... Doucement, hein. Mamou, attention, Chris. N'oublie pas que tu balades une senior, quand même. Tu ce qu'elle me dit? Arrête, j'ai peur. Il va trop vite. Non, mais c'est clair. Et j'ai cru qu'on allait rentrer dans le poulailler. Non, mais c'est... Oui, parce que vous... Je sais pas si vous avez vu, mais on a des poules, là-bas. On a deux petites poules. Bon, là, elles sont à l'ombre, hein, parce qu'il fait chaud. Mais c'est toi. Bon, non, je te laisse jouer, j'essaierai plus tard. Derrière toi, j'ai bien compris, je suis vexée. Non, mais je vous ai vu partir comme des balles là, j'ai dit oh là là. Ouais. Ah ouais, carrément, t'es comme ça. Ouais. Fais ton fier. Et tu sais que on a des amis qui sont venus, ils nous ont dit mais vous avez une moto? Ah ouais. Un bébé. Ouais. C'est belle, ma lunette avec le casque. Le flot. Ouais, car... Regarde-le, il veut m'écraser en plus. Le flot. Le flot de fou. Non, c'est clair. Il est trop ah non, il est trop chouette. Non, il est très très beau. Il est très très beau. Ouais, je le trouve vraiment élégant comme ça en noir et blanc. Il est vraiment très beau. Et c'est vrai qu'il ressemble à une moto, hein, une petite moto. Et en plus, il est coordonné au casque. Je crois qu'on l'avait dit en début de vidéo, mais je le redis quand même. Vraiment bon. Sympa. Hein. Bref, les amis, sur ce, maintenant que tout le monde a essayé le vélo, on va peut-être aller faire les valises pour les vacances quand même. Bah ouais, il faut. Hein? Parce que vous allez suivre nos aventures sur Instagram pour nos petites vacances. Ouais. En tout cas, on remercie beaucoup Sirucheur pour le vélo, il est magnifique. Il est magnifique, franchement. N'hésitez pas à aller sur le lien qui est en description pour voir tous les produits qu'ils font. Et ouais, vraiment, déjà le... comment c'était le Trax? Le Trax, ouais. Il était magnifique, le Trax. Ouais. Mais celui-là, il est différent, mais il est très beau aussi. Ouais. Il est sympa. Ouais. Il est vachement sympa, puis il est facile. Le de... design, voilà. Bon, là, c'est parce que je suis. Non, puis là, ça s'y prête pas. Un jardin. Mais bah, sur la route, il est facile. Hein. Mmh. Tu fais ça, hop. Mamou a jamais fait de vélo. Donc, 70 ans, faire du vélo électrique. C'est fou. C'est hein. Pas mal. Oh bah bon, j'en avais jamais fait. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc, n'oubliez surtout, pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est ce que j'allais dire. Insta et TikTok. Exactement, Chris, j'allais le dire. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. On s'abonne avec la cloche. Et on vous fait à tous de gros bisous. Moi, je compte sur vous. Hein. Rejoignez-nous sur Insta pour suivre les vacances. Hein.